Vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'il faut là? Lui, il est pas sans tête en Thaïlande. Oui, mais la magie des montages, c'est que je peux tourner avant de partir. Pourquoi je suis avec Pamela? Parce que j'ai reçu la box de Nolita en collaboration avec Ultra Premium Direct. Il doit y avoir des jouets. Et voilà, je suis en collaboration avec Ultra Premium Direct depuis plus d'un an. Mes animaux sont complètement satisfaits. Je suis partie en voyage à La Réunion pour la cause animale. Ça a été l'un de mes plus beaux voyages. Du coup, j'ai reçu la box de Nolita. Il y a une box pour chien et une box pour chat. Ce sont des box d'hiver en édition limitée. Donc si vous en voulez, c'est maintenant ou jamais. Parce qu'à un moment donné, ça va disparaître, comme le respect. Fais un bisou. Ah oui, d'accord. C'est même pas moi qui a fait un bisou, c'est carrément à la boîte. Les boîtes sont assez savage. Un peu comme toi. T'es un peu la coquine de la savane. Bah, on va commencer par celle pour chien. Oh mon Dieu Seigneur. Ça, j'ai juste à lui montrer. Tu sais ce que c'est, ça? On a dedans des toppers. Pamela en rêve de jour comme de nuit. Quand j'oublie d'en acheter, j'ai toujours en rab de l'huile de saumon. Ça, c'est les deux trucs préférés de Pamela. Des échantillons de protéines au poulet. Un sachet de friandises. Ah oui, t'as l'air de vouloir goûter ça. Là, il est. Elle voit pas les bigloses. C'est validé par la street. Il y a au poulet et au saumon. Tu prends un peu trop la confiance là quand même. Hein. On a la marque de Nolita, la marque Voilà. C'est une crème de jour à l'intérieur. Non, ça Pamela, c'est pas pour toi Bichette. Hein. Encore d'autres protéines. Il y a aussi un tote bag. La valeur de la boîte est de 90€ et vous l'avez à 29,90€. C'est un bon compromis si vous savez pas quoi acheter à votre chien ou à votre chat. Là, en fait, vous avez plein de produits différents et comme ça, vous pouvez voir avec votre chien qu'est-ce qu'il préfère. Et pour les prochaines commandes, si ça vous a plu, bah, par exemple, s'il préfère le saumon, vous pouvez racheter uniquement saumon. Pour la deuxième box spéciale chat, c'est pour les chats. Mais bon, elle joue avec tout, hein. Madame, c'est la princesse. Des mousses poulet canard, des mousses sol poulet, des tendres émincés en sauce saumon. Là, ils m'ont envoyé avec dedans le haut poulet. Et ça, c'est pas bien parce que je n'ai jamais osé tester. Je me suis dit, comme ils aimaient saumon, mais je vais voir s'ils aiment. Et s'ils aiment, j'intervertirai les deux. Je n'ai pas dit, mais dans les deux box, vous avez aussi des coupons. Si jamais vous avez envie de sauter le pas pour découvrir les produits de la marque ou si vous êtes client et vous avez envie de faire un petit cadeau pour votre chien. Mais qu'est-ce que tu fais? Et bien entendu, j'ai un code promo. Et ce que j'aime bien avec Ultra Premium Direct, c'est que le code promo n'est pas valable que pour les nouveaux clients, mais aussi pour les anciens clients. Et ça, je trouve ça vraiment pas mal. Donc, vous avez moins 20% avec le code NOLITO, tout simplement. C'est mon pseudo, faut pas chercher midi à 14h. Donc, profitez-en. Après le générique, nous ferons les 10 aliments insolites spéciales Thaïlande. Et là, je sais pas dans quoi je m'embarque. Là, on est au marché. Nous allons devoir, avec mon pote, nous quitter. Déjà, rien que... Non, mais rien que là, tu veux ma mort ou quoi? Oh là là. On va se quitter. On va chacun aller de notre côté. Il va choisir les aliments insolites pour la vidéo. Et moi, je vais visiter. On va voir ce que ça donne. Tu es gentil, hein, tu me tues pas. Ah, j'ai une chiasse déjà. Franchement, je le fais le jour de la chiasse. Bon, ben moi, du coup, je fais ma vie. Je me promène. Je vois des trucs qui sont un peu étranges. Moi, j'ai peur qu'ils prennent des trucs un peu chelous. Hein. Ça me fait un peu flipper, cette histoire. Du coup, on change d'endroit. On va aller dans un... On nous a conseillé d'aller dans un grocery market, un supermarché où il y a de tout dedans. Parce que là, le marché, en fait, il n'y a quasiment plus rien. Il y avait des trucs... Tu te demandais si jamais tu allais survivre en le mangeant. Il y a eu un truc où j'ai pensé que c'était de la merde, carrément. Mais t'as pas vu le gros truc marron? Bah, je me suis dit, mais c'est quoi? C'est un gros morceau de merde? Je suis fatiguée de cette matinée. Mais bon, du coup, on va au grocery market. Je vais le laisser gérer à chercher des trucs. Et moi, je vais essayer de survivre à tout ça. And who I am? That's a secret I'm never tell. You know you love me. XOXO, Nolto no. Bon dia, mes petites cousses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en Thaïlande pour les 10 aliments insolites. Et c'est mon pote qui a choisi et je sens qu'il a bien choisi parce qu'il y a une odeur. Mais alors une odeur qui me monte, qui me bousille les narines. Non, c'est normal cette odeur. Ça sentait la même odeur dans le marché de ce matin. Non, ça, je vais mourir là. En plus, j'ai pris un Imodium ce matin parce que j'avais la chiasse. Et il m'a dit, tu es sûre de vouloir faire les 10 aliments insolites aujourd'hui? Oui, bah allons-y, hein, c'est le seul jour où on a le temps. Et en plus, je me suis fait attaquer par un singe. Mon monteur va vous mettre l'extrait. Ah ouais, non, là, il y en a beaucoup. Hein. Oula, oula, t'as content lui. Aïe. Vraiment, aujourd'hui, cette journée... Ah, l'odeur. Bon, on va commencer. Est-ce que la caméra... C'est pas droit, non? On voit mes couilles. Ah, oh là. Bon ben, il vous amène je sais pas où là. Coucou. C'est quoi ça? Tu sais pas ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? C'est des pâtes. Il y a un gros truc là au milieu. C'est du gingembre, j'aime pas le gingembre. C'est du gingembre ta mère, t'as pris du gingembre. C'est du... Oh, c'est de la merde. Ah, j'aime pas le gingembre. Ah, c'est dégueulasse le gingembre. Où est l'eau?
C'est dégueulasse. Ça, vraiment, le gingembre, ça, je mets ça, mais je note 3 sur 10. Je trouve ça, mais répugnant. Sois gentil, commence pas par... Ça a commencé par ça, je sais pas ce que ça va être après. Hein. Je suis en train de saliver. Pourquoi tu rigoles? Attends, je vais essayer de ça, regarder, je vais la sentir. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, c'est quoi ça? Tu sais ce que c'est au moins? Non, mais ça se mange au moins? C'est sûr. Non, mais parce que si je meurs, après, ils vont tous pleurer. Mais c'est un poupe séché. Mais oui, c'est un encorné, ton truc. Hein. Mais ça se mange... Non, ça se mange pas. Tu veux goûter? Non, mais je veux prendre un Imodium. Dommage pas. Je mets ça 2 sur 10. C'est quoi ça? C'est pas du tout légal ce truc, hein. Des encornés séchés, mais enfin les gens, je sais pas. Laissez les pieuvres dans la nature, hein. Elles nous font pas chier, hein. Laissez-les gambader avec leurs 40 tentacules, là. Déjà, nous, on a assez des enculés qui ont qu'une seule tentacule. N'allez pas faire chier celles qui en ont 40. Mais là, je suis très salé ou tu veux que du salé? Bah, fais comme tu veux, fais comme tu veux. De toute façon, je suis plus à ça. J'ai la gueule qui arrache et en plus, ça pue. Toi, t'arrives, on dirait un chef cuisinier. T'arrives comme ça, il amène le plat, mais vous imaginez même pas. Tu souris. Non. C'est quoi? Ça sent pas mauvais par contre. Ce sont des carrés verts comme ça. Tu sais le nom? Ben ceux qui savent, dites-nous, ce sont des carrés verts. Il y a un truc bon dans les 10. Avec ce que tu m'as donné, là j'arrive pas à avoir le goût. Hein. C'est pas dégueulasse, ça a pas de goût. C'est une pâte d'amande avec je sais pas quoi. Ouais bon ben écoutez ça, la pâte d'amande avec je sais pas quoi, on va lui mettre 6 sur 10. Quoi, je veux boire un peu? Si tu me dis ça d'une manière... Il est en train de tout casser. Je pense que la pâte d'amande l'a achevé. Bah, goûte l'encorni. Goûte l'encorni. Pourquoi c'est moi qui subis? Pourquoi c'est toujours moi qui en prend plein la gueule? Hein? Pourquoi? Pourquoi tu remues, tu secoues? Et c'est pas une sauce pimentée? C'est une sauce pimentée, sa mère. Non, mais j'ai déjà la gueule qui arrache. En plus, il m'a dit en sortant, il m'a dit ça va aller, ouais, ça va aller. Ouais. Par contre, tu me fais pas boire cul sec une sauce. Qu'est-ce que c'est? C'est encore du gingembre? Je peux le boire. Tu me regardes, mais toi, tu prends plaisir à me voir me faire charcuter, quoi. C'est pas mauvais. Ah non, désolé, je peux le boire. Hein. C'est du gingembre. C'est du gingembre? Bah, c'était du gingembre. Bah, t'es pas mon cul, bande de coquine. Oh ah, mais parce que je sens le citron, c'est pour ça. Je te remercie, jeune homme. Alors ça, non, ça, je mets 7 sur 10, c'est pas mauvais. Pourtant, j'aime pas le gingembre, mais il est pas trop fort, le gingembre. Là, on sent vraiment plus le citron. Regarde-le, comment il est content, lui. En fait, de souffrir, je pense que ça fait plaisir. Un truc gentil? Tu parles. En fait, là, en plus de ne pas savoir ce que j'ai, je ne peux même pas me préparer psychologiquement. Je sais juste pas dans quoi je m'embarque, là. Oh, bonne mère. Tu mets beaucoup de papier, là, par-dessus. Pourquoi? Tu souris un peu trop. Tu souris un peu trop. Ça sent pas. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a des yeux? Mais c'est quoi? C'est des vrais? Non, arrête ta mère. Hein. Pourquoi il y a des yeux dans l'assiette, là? Qu'est-ce que c'est, cette merde? Non, c'est des bonbons. Arrête tes conneries. Ça colle. Ah, c'est un bonbon. Un bonbon bizarre quand même. Il n'y a pas un peu de yeux là, dedans, dans le bonbon. Ils ont pas... C'est quoi ta merde? T'as vraiment un œil ou quoi? T'as un œil sucré? Ah, c'est dégueulasse. Hein. Moi, je mets ça 4 sur 10. Hein. Un œil. Hein. Non, mais c'est des bonbons. Scary eyes. Là, ça va, tu souris pas trop, ça a l'air d'aller. Ça pue. Ça pue ta merde. Non, non, c'est pas encore du gingembre bizarre là. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des carottes râpées? C'est pas bon, c'est dégueulasse. Règle-moi ça. Tu pensais que ça allait piquer, non? Tu m'as regardé genre à mode, il va s'arracher la gueule, ça pique pas du tout, mais c'est dégueulasse. Je mets ça 4 sur 10. Je suis en train de faire des mélanges dans le bide, ça va tourner là-dedans, laisse tomber. Hein. C'est une discothèque dans mon bide, ça pète et tout, ça fait des... En la discothèque, batata patapata patata patapata 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 patapata. Qu'est-ce que tu me ramènes? Non, là... Ah, ça sent bon, hein? Qu'est-ce que c'est, ces chips, là? C'est quoi, ça? Pourquoi elles sont violettes, les chips? Mais vraiment, mais ils inventent tout et n'importe quoi. Non, mais attends, ça, le monde part en coup. Tu veux pas goûter, après? Après, ouais, genre, en mode, on vérifie si moi j'ai survécu. Pourquoi il y a marqué... Ou qu'est-ce qu'il y a marqué sur ces trucs? Ouais. Au maïs. Au maïs? Sweet potato. Non, j'aime bien. Non, franchement, bon, ils ont inventé un bon truc. Non, c'est pas mauvais. Ouais, on peut le manger à l'apéro soir. Ah ouais? Ah ouais, c'est pas mauvais. Mais la couleur me faisait. Je me disais, qu'est-ce que c'est ça? Ils nous ont foutu une fleur, ils nous ont foutu du lilas dans la chips ou quoi? Ouais, c'est même bon. Bah, calme-toi quand même. Manger le pot, quoi. Bah, ça arrête plus, hein. C'est pas une miette. 8 sur 10. C'est pas mauvais. J'en ai 9 et demi? Ça y est, prends la confiance, il commence à noter les plats, t'sais. On va boire encore? Oh là, oh là! Mais qu'est-ce que t'as fait? T'as été acheter une cave à vin ou quoi? J'entends plein de... Ouh! Et je sais pas ce que t'as fait là-dedans, mais c'est pas normal, hein. Ici, quand il se pose et tout, j'ai l'impression qu'ils méditent, ils se mettent comme ça. Tous. Non, j'allais me remanger un bonbon, mais en fait, c'est dégueulasse, c'est farine. Ah, mais en fait, il y a de l'œil dedans. Dans le truc de... Il y a marqué ice, hein. Fish ice. En fait, c'est mélangé à de l'œil. Non, c'est faux.
J'ai à deux doigts de gerber. Qu'est-ce que tu fais là? Oula, les bruits, on dirait que t'es en train de traire une vache. Il me met ça dans une tasse. C'est du vin? C'est du raisin? C'est de la fleur? Oui. Ouais, c'est de la fleur. Concentré de fleur. Ouais, c'est de la fleur, j'ai dû déjà goûter. Celui-là, je mets 8 sur 10. Il faut beaucoup pour que je mette un 9.10. Hein. Je suis désolée, il m'en faut... C'est pas mauvais. Mais maintenant, on mange des plantes. Mais tu te rends compte, on va jusqu'à boire des plantes. Mais comment déjà t'arrives à récupérer de l'eau de plante, hein? Enfin, dans les pétales, il y a de l'eau, il y a du... Bon, je m'allonge un peu, je me repose. Quoi, je me repose pas trop? Il en reste combien? Pas mal. Ah ouais? Mais t'en as pris plus de 10 là. Aïe mon dieu. L'imodium, il va être mérité. Bah voilà. Bah ouais, mais c'est... Oh, ça a fait un mélange de tout. Oh, oh, je pourrais inventer un nouveau virus. Tu dois tout manger. Je suis pas sûr. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une peau de couille angloise. Non, je mange pas ça. Ça a la même odeur que l'encornée. Ça vient de la mer, ça. Je mange pas tout, monsieur. Je vais pas tout réussir. Ah bah c'est super bon. Non. Mais c'est pas donné, ça c'est pas des appâts pour la pêche. Ou quoi, t'en sais rien? Vérifie quand même ton truc là, ouais. Parce que j'arrive pas à le couper, hein. C'est pas faire cuire ton truc là, je vais tomber malade moi. J'arrive pas à l'avaler. C'est des fleurs séchées. Des fleurs? Des fleurs c'est quoi? C'est des fleurs Fukushima ça? Ah, je peux pas. Ah non, t'arrives pas à avaler? Bah oui, ça pue. Ça, je mets 1 sur 10. Encore l'encornée, c'était pire, hein. Mais c'était... là, c'est dégueulasse ça. Tu goûtes pas? Pourquoi il goûte pas? C'est dommage, c'était succulent. Oula. Qu'est-ce que t'as fait? Oh là 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 là. Il est en train de nous faire un truc là-bas, lui. Je sais pas ce qu'il fait, mais... Pourquoi il y a de l'eau, là? Oh là, bonne mère. Il est en train de nous faire un mélange. Déjà, c'est la tapexictia dans mon bide. Ça me brûle. Oh, je me réveille. Oh, qu'est-ce que j'ai le droit au déjeuner? Qu'est-ce que t'as dans la main? Ça a une couleur jaune urine malade. C'est un cachet? Non, mais attends, on n'a pas dit qu'on mettait des cachets hein, dans la vidéo. Hein. C'est un sirop, ton truc, là. Moi, j'ai pas dit qu'on allait à la pharmacie. T'es pas allé à la pharmacie, là. Bah, vu ta gueule, t'es allé à la pharmacie. Non, mais j'ai pas commencé à boire des trucs de la pharmacie thaïlandaise. Déjà, il y a rien de naturel là-dedans. Quoi, je dois reboire, je continue? Et ça va, hein, je dirais que je vais à l'abattoir, là. Il n'y a rien de naturel, là-dedans. C'est un jus d'orange avec 20% d'orange. Donc le reste, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ah, d'accord. Donc ben, même les 20%, on est sympa. Hein. J'ai pas senti l'orange, là-dedans. Je sais pas où ils ont vu l'orange, mais elle a été volée par le marchand. Qui a volé? Vous avez compris ou pas? Vous avez pas compris la blague? Bon, on est passé au-dessus, là. On a fait de la merde. Qui a volé l'orange du marchand? Vous la connaissez, quand même. Star Academy 2 ou 3. Qui a volé, a volé, a volé. L'autre, il est là. Il réfléchit à qu'est-ce qu'il va me cuisiner, là. Oh putain, mais il y en a même dans le frigo, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? J'entends trop de bouteilles dans ce truc, moi, ça me... Je commence à faire une syncope. Mon ventre, il me dit, mais il est explosé, qu'est-ce que tu veux te rajouter? Mais regarde ce que je me rajoute. Non, je regarde pas, non. J'ai pas envie de voir. Je pense que c'est bon, mais ça m'intrigue. Apparemment, c'est peut-être bon, mais ça intrigue. Oh, qu'est-ce que c'est? J'essaie de vous montrer, mais avec ma gueule de chipmunk, je sais pas ce que vous regardez, si vous regardez plutôt ma gueule que le truc. Il y a du papier là-dedans? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a de la merde au milieu là. Ça pique? Oui, j'attendais, j'étais là, est-ce que c'est moi qui m'aime? Je te regarde et j'étais là. Oh putain. Mais c'est... Le pauvre, depuis qu'il est là depuis le début, il prend à chaque fois des plats où il pense que c'est pas épicé, c'est tout le temps épicé le pauvre. Il commence à avoir chaud. Mais une lumière qui me brûle. Fini. Quoi, fini? Je dois finir? Je suis pas payé, hein. Quoique, si, je suis un peu payé, hein. Regardez les pubs, n'oubliez pas. Ah, tout ça brûle ta merde, je peux pas, je peux pas. Mais oui, mais c'est un truc sucré, ça. Mais c'est pourquoi il y a des épices, mais ils sont tarés. C'est pour ça qu'ils sont tout faits ici. Ils passent leur vie à voir la chiasse, hein. Attends, ils foutent du piment dans une pâtisserie. Mais non, mais t'as vu où ils en sortent? Ça, je mets je mets 3 sur 10. Ça sert à rien. Je ne comprends pas l'histoire, là. J'ai la gueule arrachée, mais c'est sucré en même temps. Donc mon corps, il se dit, mais qu'est-ce que tu fais, mon pauvre, hein? Non, mais là, je vais créer une maladie. Mon corps, je vais vous dire, je vais être le premier cas. Je vais être un cluster à moi-même d'un Covid inexistant qui va exister grâce à moi, hein. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu dis rien, tu viens de faire comme ça, c'est que c'est pas rien. Oh bonne mère. Comment ça partir en couille cette vidéo? Ça commence un peu à partir en couille. Je vais essayer de vous montrer. Comment je peux montrer l'aspect? Tu peux pas le montrer dans la bouteille? Je le verserai, je sais pas. Quoi, je le verserai? On voit pas. Je vais pas me le verser dessus, hein, parce que là. Ah, je sais ce que c'est. C'est du litchi. C'est très chelou en bouche, hein. Tu fermes les yeux, tu te demandes si c'est vraiment du litchi que tu me bois. Il y a des copeaux. C'est pas mauvais. Il y a un gros grumeau qui est sorti, là. On va vous montrer. Merci, Jackie et Michel. Oh! Pas mauvais. C'est pas mauvais, mais ça part en couille. Donc je mets un... Oh, moi, je mets un 7 sur 10. À toi, ça a pas l'air de t'égoûter. T'es en train de te finir la bouteille. Hein. Mais c'est des fruits. Ouais, enfin, c'est des fruits. Il doit y avoir gavé de sucre et tout là-dedans. Il reste un truc. Mais là, ça va être dur à préparer. Quoi, reste un truc, ça va être dur à préparer?
Je vous vois me mater. Bande de coquines. J'ai un spot là qui est en train de pousser. On le voit pas, hein, regardez. Wow. Ah si, on le voit, ferme ta gueule, on le voit très bien. Je pensais pas, j'étais dans la naïveté. Je me dis ouais, il est sous-cutané, il est pas en surface, c'est super. J'ai pas le Mont Fuji ou le Kilimanjaro sur la tête, mais ben si, c'est pas grave. Fais voir quand même. Oh putain, mais ça va carrément être le Piton de la Fournaise, le truc. Je suis en train de vous lister tous les volcans qui puissent exister. Il y a Piton de la Fournaise, Piton des Neiges, le Vésuve, le Mont Pelée. Excusez-moi. Qu'est-ce que tu sais ce que c'est? Tu as l'air d'avoir du mal, hein? Mais t'es en train d'écortiquer un cadavre ou quoi, là? Il me dit chute. Ça va entendu? Qu'est-ce que c'est? Ben, j'ai compris, moi, en coupant. C'est une pomme? Je crois. Ben, elle est un peu chelou, ta pomme, elle a des poils de cul. Ben, la pomme, elle a des poils de cul. Elle est bizarre, la pomme. Aïe, il y a des bouts. Alors, ça a la gueule d'une pomme, mais ça n'a pas le goût d'une pomme. C'est pas bon. Du poire? Ouais, un peu, et j'aime pas la poire. Ni poire, ni pomme. Ouais, c'est bizarre, hein. Comme quoi, franchement, il y a combien de fruits sur cette planète? Spécial. Ah ouais, non, moi, j'aime pas du tout. Ça, je mets 4 sur 10. Bon, nous avons fini les 10 aliments insolites, mais ce n'est pas fini. Vous pensiez que nous allions pas goûter les insectes? Attendez de voir. Je ne les ai pas trouvés aujourd'hui. Je reviens demain soir avec des petits insectes que j'ai eu. Apparemment, sur Internet, il y en a des très bons. Et là, je pense que là, on va corser la vidéo, je pense. Voilà. Donc, je vous dis à demain. Bisous, mes gousses d'ail. Eh bien, écoutez, on n'allait pas finir les 10 aliments insolites. Ça en bouffait des trucs vraiment insolites, pour le coup. J'ai pris des coups de soleil. Là, je suis bien. J'adore ce pays, vraiment. Je pense que c'est l'un des plus beaux pays qui m'était amené de voir. Mais en termes de sueur et de sudation, on se retrouve quand même. Jamais vu ça. Donc, j'ai amené 4 insectes. Voilà, dont un que j'avais déjà goûté, mais il n'avait pas cette gueule-là. Là, clairement, il me donne pas envie. Mais on va y aller quand même. On va commencer tranquille ou amigo. Hein. On va finir la vidéo sur 4 beaux petits insectes. Oh putain, ça a attaché. Oh merde, ça m'a attaché le lit. Super, je vais sentir la vieille blatte. Oh, il y en a un. Il y a pire que le croque-monsieur. J'allais dire non, c'est, malheureusement, c'est pas un croque-monsieur. Il y a pire que le scorpion. Oh bonne mère. Mais moi, je suis pas d'accord. Mais il est vivant? Il est vivant? Non, il est pas vivant. Non, me dites pas ça. Oh la bonne mère, je vais manger un asticot. Il y a quoi qui se mange? La tête, elle se mange pas. Non, la tête, je crois que ça... Oh, ça coule. Mais il coule, ta mère. Oh, il y a de l'orage. Oh, mais super, j'ai la phobie de l'orage, il y a de l'orage en plus. Voilà, nous avons le petit asticot. Ça, je suis en train de faire une crise de panique, hein. Je tiens à vous le dire, mais vous, ça vous fait rire. Hein. Oh. Le goût est pas... C'est pas... Tout va bien, franchement, c'est pas dégueulasse. Ah, ma caméra! Oh putain, il y a tout qui chute. Comme le respect dans ma vie, je l'ai pas beaucoup bu. Il a beaucoup chuté le respect dans ma vie. C'est pas. Non, je suis désolée, c'est pas bon. C'est pas bon, mais on a connu pire, mais on a connu mieux quand même. Hein. Et là, j'ai pris la version grand format. C'est un autre verre de notre type, mais il est énorme. Il fait la taille de mon majeur quasiment. Regardez le Marseillais. Il fait la taille de mon majeur! Pas du tout. Mais il fait la taille de mon petit doigt. Alors lui, c'est pareil, tu peux tout manger sauf la tête. C'est comme les crevettes. C'est comme mon ex. Tout était bon sauf la tête. Bisous si tu passes par là, tu me manques pas. On y va sur un petit verre endiablé. Voilà, il est mignon, il court dans la prairie. Ça, ça va. Mais elle me l'a fait cuire avec des épices ou quoi? Non, mais c'est... Maintenant, on mange des insectes comme ça avec des épices. On me met du curry et du curcuma ou quoi? On va passer parce que j'ai déjà goûté dans les 10 aliments insolites spécial monde. Je vous mets juste là. Mais là... Et c'est pas le pire. C'est pas le pire, bonne mère. L'autre, elle m'a foutu ça en brochette. Elle a cru qu'on allait se faire un barbecue. On croirait les brochettes de viande, quoi. Voilà. Le petit scorpion. Tout se mange dans le scorpion. Elle m'a enlevé le venin du... Elle me l'a cassé. Donc ça, c'est pour pas que je meure. Elle m'a enlevé le venin. Fais voir ça. Pourquoi j'ai regardé ses yeux? Pourquoi j'ai regardé ses yeux, bonne mère? Là, je vois qu'il m'a vu. Il m'a vu. Imagine, il vient, il se venge pendant la nuit. Et ses frères viennent Imagine, il sait pas se mettre à... Imagine plein de choses, mais j'imagine pas ça dans mon bide, hein, je vous le dis, hein. Allez, on y va. Mais de toute façon, ça sert à rien de réfléchir, hein. Je vais devoir le... Mais il y a des pâtes. Et tout, mais tout se mange là-dedans. Il y a un brouillon de coupe. C'est pas bon. Je vais pas tout manger. Si vous voulez, j'essaye le corps. Et franchement, j'ai des couilles qui me sont poussées. Vous avez vu comment je mange ça? Mais je suis même pas stressée. Mais le dernier, je veux pas. Je mange le corps, j'essaye. Hein. Mais il y a rien dedans. Ah si, il y a de la merde. Qu'est-ce que je fais, mon Dieu? Mais qu'est-ce que j'ai fait au monde pour mériter ça? Pourquoi je fais des vidéos comme ça, la con, où je mange des scorpions? Enfin, je veux dire, je sais pas, j'aurais pu faire autre chose, j'aurais pu continuer mes études de droit. Ma mère, elle aurait été fière de moi, non? J'ai fini par manger la carcasse. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai mangé ce qu'il y avait à l'intérieur. Je peux pas le manger en entier, je suis désolée. Enfin, à un moment donné, il y a des limites à la connerie. Alors, le dernier, c'est le truc qui me dégoûte le plus au monde. On m'avait dit, enfin, j'ai vu sur internet que la spécialité de Thaïlande, c'est pas les scorpions, c'est pas les migales. Les migales, je les fais aussi. C'est. Ah non, ça, je peux pas. Ça, je peux. Non, je vais pas réussir. Je sais pas. Jusque-là, ça. Non, ça,
je peux pas. Je savais même pas que ça existait. Ce sont des punaises. Mais moi, je suis pas là pour manger des punaises de lit, en fait. Enfin, je veux dire, ce sont des punaises. Des punaises d'eau géante. Mais il y a ça dans l'eau? On dirait une cigale. Elle a des ailes, mais je vais pas manger... Je peux pas, là. Je veux bien faire des vidéos, faire le buzz pour gagner de l'argent, hein. Mais mes petites pubs pour la punaise d'eau géante, hein. Regardez-la en entière, la pub, hein, parce que ça vaut le coup, là. Mais attends, mais c'est quoi, ça? Ah, mais c'est ses pattes. J'arrive pas, le dernier, j'arrive pas. C'est la punaise d'eau géante. Je sais pas ce qu'il y a à manger là-dedans, mais déjà, pourquoi les gens se sont dit on va manger des punaises d'eau géante? Regarde-la, la pauvre, elle demande qu'à s'envoler. Mais tu croques? Quoi, tu croques? Mais toi, tu dis ça, c'est... Vas-y, croque! Fique déjà comme ça. Quoi, fique comme ça? Mais déjà, j'en ai foutu plein mon lit. C'est quoi, ça? Ah, j'ai tout pris! Quoi? Imagine, elle se met à battre de l'aile dans mon corps. J'ai pris tout l'intérieur. Ah, il y a un arrière-goût. Je l'avale. Bah ouais, je l'avale. Mais les verres, t'as enlevé la tête, rassure-moi. Ouais. Par contre, les verres, franchement, ça se mange comme du petit pain. Franchement, je pourrais manger le matin au déjeuner avec à le tremper dans le chocolat au lait. Non, vraiment, c'est succulent. J'étais un... Bon, j'exagère un peu. Je suis un peu marseillais. Bon, j'ai été jusqu'au bout. Il y a des trucs que j'ai pas voulu tester niveau éthique. Je trouvais ça un peu moyen de tester du crocodile, par exemple. C'est pas que j'avais pas envie de goûter le crocodile, mais je trouvais ça moyen de bouffer du crocodile. Je trouve que c'est un peu bizarre. Donc, j'ai pas préféré rentrer dans un truc où je mange du crocodile. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a plu énormément, surtout la fin. Je trouve que on goûte les spécialités, le terroir, comme dirait Maïté. Ben, comme elle dit, mon préféré, c'est l'ondelée, et moi, c'est la punaise d'eau géante. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Alors là, t'as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, t'as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, t'as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable YouTuber maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.